Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans nos pages LVDB du tombeau pour nous rendez-vous tous les mercredis soirs pour une prédication live de la parole de Dieu. Un bonsoir spécial à nos pasteurs, le pasteur Gora Bendou et tous les membres de l'église LVDB du tombeau, mais pas juste eux. Tout le monde qui suit nous et tous mes camarades, à l'étranger, même à Maurice, à Calman, les autres l'église, qui parlent l'église, mais qui suivent nous. Voilà, bienvenue. Bienvenue encore une fois. Et moi, très content d'être là. Et merci Seigneur. Nous rendons grâce ensemble. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous disons merci. Merci de tes paroles. Merci de te donner l'opportunité de prêcher ce soir. Et te donne tout le monde qui peut guetter ça, qui peut guetter ça, l'opportunité de guetter tes paroles, apprécier tes paroles, et comprendre tes paroles, et voilà, tout ce qui tes paroles apportent. Parce que c'est tes paroles même qui sont capables de transformer la vie, dis-moi. Merci Seigneur pour ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce qu'on a nous annoncé au cours de la journée, le titre du message aujourd'hui, c'est la grâce d'encaisser. La grâce d'encaisser. C'est pour ça qu'on voit qu'il nous donne un combat, dans la guerre, parce qu'il nous donne la guerre entre le bien et le mal, entre ce que le monde envie de proposer, envie de faire, et ce que nous envie de faire. Et nous dans la guerre là, tous les jours, au quotidien, de chaque décision qui nous prend, de chaque façon qui nous réagit à une situation. À une situation. Je remarquais que quand le Christ lui-même lui prêchait, lui dit à celle qui donne l'azou, une claque, sa côté l'azou là, donne l'autre côté. Donne l'autre côté. Et une de mes affaires qui fait nous comprendre que nous pour gagner une claque. Mais il faut que ce plus sur la réaction. La réaction. Comment tu réagis quand tu gagnes sa claque là? Donc c'est lui qui est venu qui dit ben, donne l'autre l'azou. Ça, c'est très important. Nous pouvons encaisser Banco. Nous nous désencaisser, nous pouvons encaisser et nous pouvons encaisser Banco. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous tient dans le ring. Si nous tombons, nous relever. Quand quelqu'un relève, le match là continue. Quand quelqu'un KO, ça veut dire pas qu'à relever. C'est ça le problème. Et le dommage, qui est dans l'enseignement logique. Jute logique, c'est t'as pas besoin aucun problème. Vine l'église. Quand tu prêchais dimanche, un dimanche un problème, amène-lui l'église. Non, 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 non. Les bizarres qu'on le Seigneur, c'est le Seigneur qui les a connus, la parole de Dieu. Bien sûr, il peut être enseigné à l'église, dépend de l'église y aller, bien sûr, mais il est important qu'il connaît la parole de Dieu et il comprend. Il est important qu'il ne va pas battre la colère. Il est important qu'il nous ait dit la vérité. Et un des bonnes vérités, il peut encaisser ban coup. Les points encaisser ban coup. Alors, nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset, à partir du verset 24, n'oubliez pas le verset 32. C'est l'apôtre Paul qui peut causer. Du moins, il peut écrire, c'est une lettre. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1, 40 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu de VS, j'ai battu 3 coups au bâton. 1 fois j'ai été lapidé, j'ai un coup de rousse. 3 fois j'ai fait une phrase, 3 coups dans le bateau, bateau, une coulée, une cassée. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment au voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. L'étant nous lié à ça, l'apôtre Paul ramasse problème partout. L'eau la mer, l'eau la terre. Dans la ville, ce qu'a de désir, il ramasse problème même. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veillées, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé quand, chaque jour, par les soucis que me donne toute l'Église. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Qu'est-ce qu'il dit? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Qu'est-ce qu'il dit? Si bien glorifier moi, c'est le moment de faiblesse qui m'a pour glorifier. Je vous dis, il n'y a aucun chrétien qui glorifie ce moment de faiblesse, parce que quand vous êtes un chrétien, il m'a dit, vous avez besoin d'un extraterrestre. Tout correct. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Tant bien que mon petit. L'apôtre Paul dit, moi pour glorifier mon moment de faiblesse. Moi pour dire, il n'y a pas de mon pangain manger mon faim et dans un monde soif et dans un monde tuni mon monde de bateau fin faire nos phrases bon pas de mots mais bateau là fin faire nos phrases trois coups il y a un bateau il y a un coup de rose mais qu'est-ce qu'il dit bon Dieu connaît je ne mens point c'est qui me peut comprendre là guette bien en qui te peut glorifier toi pas une cause menti n'a pas une cause menti. Ce qu'on est grave, ça rend une fausse témoignage. Même dans le naturel, on va donner une fausse témoignage dans la cour, dans ce paquet, et n'a qu'est-ce. Maintenant, devant bon Dieu, si vous pouvez gagner du lire, ou dire, vous pouvez gagner du lire, si vous avez un manquement ou un manquement, et un chrétien un manquement, et un chrétien peut souffrir maladie, un chrétien un mot, et a du monde de problème. L'apôtre Paul, dit ça, dit non, faut pas me confesser ça, bateau une cassé, et faut pas me confesser qui mon gain faim, faut pas me confesser mon gain soif, faut pas me confesser qui m'être assiégé. Non, non, non. Les rares témoignages là. Mais il pas régner bon Dieu. Quand on peut dire ou de problème, ça veut pas dire que on peut régner bon Dieu. Ça veut pas dire que bon Dieu pas exister. Ou pas un agent commercial de Jésus. Ou pas un agent publicitaire ou aller ou dire bon Dieu guérir c'est pour gagner du monde dans l'église non ou dire ce qui bon Dieu représente pour d'un cyclone d'un tempête d'un beau temps mon connu mon bon Dieu et c'est ça qui Paul Perrot fait comprendre mais Paul il comprend les affaires il comprend ça la grâce qui car avant qu'est-ce ban coula et il dit ça mon continue quand tu dis une dièse 42 ouais. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. En fait, malade de lui, mais je connais l'histoire, malade descend l'île d'un panier, etc., etc. Maintenant, nous dans 2 Corinthiens 11, là. Dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, qu'est-ce qu'il dit verset 1er? Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Correct? Verset 8 à 10, qui est intéressant. Il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est pas un problème ça. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc, qu'est-ce qu'il dit? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et mon verset préféré dans la Bible, c'est mon verset préféré. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Hasta là, des affaires très rares
Bon, pas nous beaucoup chrétiens qui ça, qui je plais à eux dans les faiblesses, dans les outrages. Quand dit, au fait, c'est Christ qui disait ça. Qu'on maltraite toi, tu peux bien maltraiter, tu peux persécuter. Paul peut prendre plaisir à la donne. Peut prendre plaisir à la donne. Quand on dit qu'on joue, qu'on joue, qu'on joue, qu'on joue, qu'on joue, qu'on joue, l'idée ou des hommes, ça du monde là. Parce qu'il y a tant qu'il y a retalié. Il y a tant qu'il y a gêné au prier. Il y a tant qu'il y a lié ou sassé. Non, 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 non. Pour arriver ça. Et la même saison. Nous pas sas saison. Nous pas sas saison. Et il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il reste faible, hein, physiquement, il est faible, hein. Mais dans la faiblesse là, il connaît les faux parce qu'il n'est pas relâché. Il n'est pas régné bon Dieu. Il n'a pas régné bon Dieu. C'est ça le point. Parler de venir dire, quand je suis faible, la mot dit, faux, mauvais, une faux. Non, non, te désaffaut. Parce qu'il ne t'a pas relâché. Au fait, le pasteur Goran, il a cause là, il m'a dit, ça a fait que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. C'est mon ennemi Israël qui dit ça. D'une tia cantique, là, mais bon Dieu, diamant l'ennemi, il a dit même je dis ça. Laisse je dis ça. Je peux gagner mal. Quand nous faibles, nous faibles. Mais il dépend. Nous faibles au ring, là, nous. Et puis encaissez, me coûte moins. Problème casse, problème familial, problème mariage, problème dette, problème CIM, problème loan la banque, problème loto cassé, problème familial, problème enfants désobéir, problème. Vous avez une petite fille, il n'y a pas qu'on marie, il est enceinte. Vous avez un garçon qui commence à prendre la drogue chimique. Vous avez une famille qui parle fréquent tout. Vous avez tel problème l'héritage, tel problème. Vous avez un tas de problèmes. Vous avez un problème de santé. Vous avez un tas de problèmes. C'est une affaire qui n'est pas manquée dans sa vie là, c'est le problème. C'est le problème. Des fois, quand nous venons chrétiens, nous venons quoi? Nous venons un peu extraterrestres, mais. Si nous guettons autour de nous, il y a beaucoup de problèmes. La différence pour moi, il m'a tout le temps dit, en tant que chrétien, en tant qu'un believer, un croyant, qui naît de nouveau, vraiment qui naît de nouveau, et avec les autres du monde, c'est sa façon de réagir aux problèmes. C'est sa façon de réagir. Si nous allons dans un pays côté dans l'année, peut faire frais, nous tout pour gagner frais. Mais nos réactions qui étaient, nous mettons mal à l'aise, idéal, pour manger frais, c'est là. Il y a beaucoup de monde aussi dans le Canada. Pas quand on sort du bord, il y a là-bas, c'est tout dans l'hiver. Mais je te vive là-bas, je te conditionne, je te. Cette réaction, c'était pas le sas, l'année, pas le dire non. Je ne suis pas d'accord à l'anise, je ne suis pas d'accord à fraîcheur, je suis faux, moi, c'est pas qu'une histoire, non. Je te mets de malaise, approprié. Nous pouvons gagner problème. Nous pouvons gagner problème. Nous pouvons gagner persécution. Mais la victoire, l'idée de ça à faire, pas abandonner. Bon Dieu, fin faire ou grâce. C'est quoi sa grâce? Ou qu'avant qu'ici. Ou qu'avant qu'ici. Ou qu'avant qu'ici. Vous connaissez qui était ça, une maman, ses enfants de la drogue? Mais un camarade, il peut raconter moi. Il peut pleurer, il peut raconter moi. Ce garçon de la drogue. C'est ce garçon. Ces enfants qui l'ont sorti dans le ventre, ils sont secousse, ils passent la nuit. Les enfants, les bons enfants, ils apportent ce problème dans la drogue là. Ils sont frappés de midéo aujourd'hui. Ça casse les quilles à maman là. Ça casse les quilles à maman. Et maintenant, courage-lui. Quand j'ai vu une église, moi. Quand j'ai vu une église. Mais maintenant, courage-lui. Chacun a sa persécution d'une façon, bien différente. Bien différent. Mais je suis content qu'il puisse dire Je suis faible. Mais moi pour résumer moi dans la faiblesse, moi pour glorifier moi dans la faiblesse. Pas une terrible moi. Moi pas une terrible. Moi pour mon zoli, c'est moi. Moi pour mon zoli. Moi pour mon zoli. Dans le domaine chrétien, il y a un peu d'hypocrisie.
Et le problème avec l'hypocrisie, c'est qu'à un moment, il éclate ça, au tout vrai visage là. Donc, à même rôle là. Ok? Quand les sens sont montés, tout le monde est affecté. Chrétien est affecté. Il est affecté. Combien de chrétiens ont envie d'immigrer à l'extérieur? Pour quelle raison? Je vais aller évangéliser là-bas? Bon, par contre, mon bon camarade, bon camarade, moi, j'ai envie d'immigrer. Mais tout le monde sait qui dit ce qu'ils ont envie là. Et n'a pas envie d'immigrer qui fait. Je n'ai plus qu'à vivre de Maurice. La vie trop c'est l'opportunité. C'est man fait. C'est man fait. Qui fait que j'ai cause menti? Qui fait? Combien de chrétiens malades sont Combien de chrétiens payent la guerre contre l'endettement? Combien de chrétiens sont enfants de la drogue? Ou soit, comment dire, je n'ai des enfants, une petite fille. Finit trompé par une garçon, une enceinte, etc. Il y a tout ça dans l'histoire là. Hein, il y a tout ça là. Combien madame Papeka a des enfants? Combien problème de foyer? Combien problème de casse? Combien problème d'emploi? Papeka a un travail qui est bizarre. Aucune place indienne ne pas pour gagner ça dans le problème. Mais comment nous réagir? Et moi, je peux dire où? Bon Dieu ne fait vous grâce pour encaisser. Moi, je ne parie pas encaisser. Je parie. Bien encaisser, beaucoup bien encaisser, et il y a des affaires encore pour venir m'encaisser. Il y a des affaires pour venir encaisser. Je fais forme 5, 4 fois, moi, je me encaisser. Je me fais ça. Et là, il a arrêté le premier coup. Je prends 18 ans pour gagner mon degré. Et là, il m'a dit, toi, tu peux faire ça. Je me fais libre. Je me encaisser. Je me encaisser. Je me encaisser. Pas n'abandonner ça. Pas ne mettre moi chaos. Pas ne mettre moi chaos. Je connais qu'un docteur annonce un du monde qui a un cancer. Il y a beaucoup de monde qui finit beau. Sa docteur dit qu'il y a un cancer. La consultation, il a découvert ça. Le docteur dit qu'il y a un cancer. Ça. Avant le docteur, il y a un traitement. Il finit beau là. Il finit beau. Il finit chaos. Mais il a mon joli. Malgré ça, il a mon. Allô. La grâce d'encaisser. Si je te lis à Genèse, le chapitre 40, à partir du verset 23, pour la mot, pas les rentre là-dedans, parce que je connais dans mes crédits, nous ne pas faire long. De toute façon, je connais l'histoire. Joseph, c'est un quelqu'un qui n'a encaissé même. À part, ce papa, tu comptes en ligne, ce papa, une de lien tinique neuf. Trois constants, il n'a encaissé même. Ce man frère détesté. Tu connais qui était au résident de la case? J'ai ta 12 frères. Hein? 10 là-dedans détestés, parce que mes amis, on pense pas que c'est détesté, mais au moins 10 là-dedans détestés. Ok? Vendu par ses frères. Vanium en Ismaélite. Retrouve-lui de prison. Et encaissé. Ça me fera qu'il trouve grâce dans la case Potiphar. Il était toujours esclave. Hein? Ça me fera que Madame Potiphar fait un man numéro. Une fausse accusation, il a encaissé même, il y a la prison. Ok, de prison, il est un peu safe, mais il reste un prisonnier. Ok? Maintenant, les jeunes des personnes, il interprète ce rêve. Il dit, Dieu qui te permet de lire ça. Ça veut dire, malgré tout ça, man, setbacks, il a encaissé même, il a encaissé même, puis il a encaissé même. Il m'a dit, c'est moi. Tu attends, madame, pour tu fais là. Il dit, non, lui. Quand il dit, non, il y a le cassou. Il interprète sa rêve là comme un bizin. Ça veut dire qu'il y a le pantier et les chansons. Il dit juste, toi, tu pourrais être condamné à mort. Le, pour rétablir ta fonction, c'est lui, et chanson, c'est lui qui servit Pharaon divin. Et quand arrive ça, mais Joseph, il y a peine un problème. Et les chansons, bah, il dit Pharaon, mais voilà, mon Dieu, il y a un kikène de prison. Il me dit exactement qui peut arriver. Les chansons n'ont pas dit non, des ans passés. Il a encaissé même. Il a encaissé même. Il a encaissé même. Il a encaissé même. Il est là après 2 ans. Quand Pharaon, Pégaïman, rêve, cauchemar, whatever. Il est là, les chansons. Mais ouais, voilà, moi, tu donnes Michel à la prison, il est capable d'interpréter, etc. 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 Joseph, il a encaissé. Job, il a encaissé. Et au fait, Job n'est pas capable d'encaisser parce que Job est un bon Dieu, il a une intégrité.
faut pas nous intègre d'après situation. Je connais aujourd'hui, nous vivons dans un climat de peur. Nous avons besoin de la persécution, mais nous vivons dans un climat de peur. Gouvernement, la police, l'OTC, pas si c'est un Maurice, hein. Et on pose moi la question, si à ce temps-là nous payons un peu là, allemand service, make sure, faire sûr qu'ils ont non li écrit dans le livre de la vie. Parce que si l'enlèvement vient ou pas là-dedans, et l'antichrist pour là, mais si vous pépez à man des droits du monde qui est là actuellement, là, devant l'antichrist, comment vous faites? Comment vous vivez? Si là, vous pépez, qui va arriver? Il y a un problème, tout le monde pépez. Il s'est arrivé parce que tout le monde priait. Le dimanche, je t'aime plus terrible. Pas de confession, je te fais l'extra, ça. Mais que ma soldée au père. Père, c'est ci. Père, c'est là. Père, là-bas. Père, tes affaires. Père, tes affaires. Père, tes affaires. Père, tes affaires. Non, nous, là, man faiblesse. Nous, on caissait pas un coup. Nous, on faisait pareil pour encaisser ce coup-là. Nous, on faisait pareil. Nous, on faisait pareil. Quand on rentre dans un avion, c'est qu'il ne voyageait. Quand l'avion a pu décoller, le pilote tout le temps dit, ou soit le test, le steward, je fais une annonce, je dis comme ça, nous conseillons, mettez-vous de ceinture sécurité, tout le temps. Vous faites une annonce, ça arrive un moment, s'il atteint ou qu'il tire ceinture là. Mais les autres de dire, mettez ceinture sécurité là, tout le temps, parce qu'il nous va connaître un coup, car il appelle ça une turbulence subite. Récemment, tu es dans un avion, tu viens, ça m'a dit que tu es blessé là, mais c'était pas prévu qu'il y ait un turbulence. Je me suis blessé. Il y a un coup de turbulence, soit ploussé, soit peut morcer, ou tombé, ou blessé, ou dans l'avion. Mais nous l'avons, il y a un turbulence. Mais merci Seigneur, nous pour arriver à une destination sain et sauf. Mais mettre ceinture sécurité là, c'est quoi la ceinture de sécurité? C'est la foi. C'est la foi qui bondit avec nous. C'est la foi qui turbulence. Ne veut pas dire qu'il bondit pas en contrôle. C'est la foi qui m'a une claque qui nous gagne dans nous la vie. C'est, ça ne veut pas dire qu'il bondit pas content. Non. Nous bisons encaisser. Mon gars rié parce que mon un camarade dentiste. Et les camarades dorment. Alors, quand on casse les dents, soit nettoyé. Mais donc, pour gagner du mal, ça va dire, Mr. Levi, pour gagner un petit du mal. Parce que nous camarades. Carasse les dents, tire les dents, nettoie. Gagne du mal, ça. Hein? Personne n'a gagné bon, gagne du mal, mais moi. Carasse les dents. Mais tout le monde, quand il y a un dentiste, pour gagner du mal, ça, d'eau, pour gagner du mal, ça. Et ça. Moi, non, les diamants, si moi, trop gagne du mal, ou diamants, etc. Ça. Mais, ou pour gagner un petit pincement, une petite affaire. C'est une affaire normale de la vie. Je vais presser tout correct, la tête non laquée, nanani, les unes là, avant. Tant que tu la lésine là pas pour fermer, l'autre, faut des toi aller. T'as dit mon une perte du travail. La Covid comme une perte du travail. Combien de chrétiens de business in fail. Ah mais blâme bon tiens. Ni mon peu blâme zut. Parce qu'il y a un enseignant qui se dit, attends, tu es une fail, faut pas te blâme bon dieu, tu faisais blâme toi-même. Non. Job qui ne fait. Qui l'a une faire? Qui l'a une faire mérite ça? Il dit servir bon Dieu avec intégrité. C'est tout. Psaume 27. Navite. Dans le psaume 27. Guys, look what happened to Amazon stock in just 1 year. Compared to other tech. Psaume 27. Le téléphone là. Psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Maintenant, plutôt fortifie-toi. Qui fait tout faux? Qui fait une gaine, mais une barrage? Bon, peut-être qu'il n'y a pas envie de veiller sur la fille. Sécurité, il a volé à venir. Il fait une gaine, mais une barrage électrique. Il n'y a pas envie de personne touche ce barrage. Qui fait tout ça fortifie-toi? Parce qu'il te pour gagner l'attaque. Tout pour tout le temps, mais tu as besoin de fortifier toi. Tu fortifies ta propre parole et te parer. Le bouclier de la foi. Le bouclier protège-toi. La foi protège-toi. Il protège-toi. Mais il n'est pas empêché ce problème-là, Vini. Il empêche ce problème-là, détruire-toi. Bouclier-là, de l'armée.
Dans Ephésiens 6, moi tu voulais aller, mais on va plier. Ephésiens 6, le verset 12, dit comme ça, nous payons pour la guerre. N'est-ce pas? Nous payons pour la guerre contre la chair et le sang. C'est d'accord ça? Ok? Ephésiens 6, verset 12. Nous payons pour la guerre contre la chair et le sang. C'est vrai. Qui fait dire ça? Parce qu'il y a une majorité chrétienne, mais la guerre contre la chair et le sang. Si nous lisons le chapitre 6, nous lisons depuis le commencement, qu'est-ce qu'il dit? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur quand cela existe. Est-ce qu'il est vrai dans la vie tout chrétien? Est-ce qu'il est toujours enfant peut obéir à ses parents? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce qu'il est toujours enfant peut faire ça? Ça me la guerre là. Après, il dit, papa, la guerre contre la chair et le sang, mais je ne suis pas bien dans la famille, je suis la guerre contre même. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que vous pouvez instruire vos enfants selon le Seigneur? Ou pas faire ça après qu'un problème? Oui, nous avons. Servez-vous à obéir à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme en Christ. Tu peux coquin de travail, tu peux magouiller, tu peux jouer au patron, etc., etc. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Et vous, maître, magnifique du patron, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Et continuez. Après, là, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pour sa force. Nous devons faire tout cela. Après, il n'y a pas la guerre contre la chair et les sangs, mais c'est un petit monde de faire. Au fait, c'est un problème. C'est un même problème. Je termine avec ça. Il y a trois vérités. Pas d'accord avec moi. Ou soit. Mais au caval, il y a la Bible. Hein? Il mérite peut-être une prédication entre lui-même, mais il est comme ça. Persécution. Trials, comment nous dire en anglais. Inévitable. Inévitable. Deuxième, nous donne le monde perdit. Vous êtes ça le monde là aujourd'hui. Et le monde finit dans l'église. La religion finit dans l'église et le monde finit dans l'église. Et troisième, bon Dieu, le souverain. Si vous comprenez trois affaires, premièrement, persécution inévitable pour gagner. Deuxièmement, nous vivons dans le monde perdit. Et troisièmement, bon Dieu, le souverain. Si vous comprenez ça, vous êtes capable d'encaisser les coups. La grâce d'encaisser le coup. Seigneur, merci. Tous les grands matins. Je me lève. Tout le coup qui m'a pas encaissé. Tout le coup qui m'a pas encaissé. Un chrétien, jamais les pensées de vous perdre ce travail. C'est merveilleux ça. Parce que dans l'église, il m'a dit, non, tu es la tête, pas la queue. Quel est le travail que vous allez là? Qui vous allez? Manquement jamais donc. Quand il y a un manquement, que vous avez là. Quand il y a un mot, qui nous dit là? Parce que dans la foi, il passe. Non. Inévitable ça. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Laisse nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, nous louer toi, nous rendons toi grâce. Nous disons merci pour toute la grâce qui nous encaisse dans le coup de cette vie. Et ce n'est pas seulement le coup là qui peut décourager. C'est pour toute la grâce qui nous pécara manger. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Nous jouons une semaine prochaine, mercredi prochain, et à la même heure, par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Peu importe ce que je peux passer. Tiens, mon Dieu, merci pour la grâce. Je te peux capable manger. Pas composer les autres. Ok? Par les personnes qui viennent diminuer les autres. Vous êtes un band fighter, vous êtes sans qu'ils aient réalisé. Tu connais la deuxième guerre mondiale, finir la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Qui c'est une guerre ça? C'est un inconnu. Taillé un monument soldat inconnu. C'est un là qui tu es au front, pas général, pas capitaine. Donc, mange-le. Merci Seigneur, merci Jésus, et très bonne soirée à vous tous. God bless. Bye bye.